VIP Next Level Upgrade. Salut à tous, aujourd'hui, petit jeu de destruction pour commencer cette nouvelle année 2016. D'ailleurs, nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que celle-ci soit bien meilleure que l'année 2015, car je crois qu'en général, celle-ci n'a pas été terrible. Et donc, pour commencer cette nouvelle année, que voyez-vous à l'écran ? Des morceaux de bois. Et pourquoi des morceaux de bois ? Parce que aujourd'hui, on va s'amuser à Massive Destruction. Massive Destruction pour présenter les smartphones K4000 et K6000 que la marque Oukitel a vanté comme étant indestructible au niveau des écrans. Nous avions reçu le K6000 par l'équipe marketing, donc Oukitel, qui nous a clairement demandé à l'époque de, sans souci, allez-y, vous pouvez planter des clous, il n'y a pas de problème. Et donc, quoi de mieux que un morceau de bois, des clous et le K6000. Le K6000 qui, paraît-il, résiste. Bon, bref, vous voyez, on s'amuse, on s'éclate. Bon, a priori, il n'y a pas de souci pour l'instant. Il a résisté au coup de bois, qui est un petit peu usé d'ailleurs, il était à l'extérieur, mais il est dur comme du bois. Donc, on va attaquer tout de suite par Massive Destruction, par l'équipe de Sinophonix, la team Sinodroid, travaillant avec la boutique, donc Sinophonix. Et bien, s'il résiste à tout, n'hésitez pas à le commander. Mais bien entendu, celui qui va nous servir à planter des clous, à jouer avec, à balancer, à tout ce que vous voulez, ne sera pas vendu, bien entendu. A tout de suite. Commencer par ouvrir nos petites boîtes de clous. Donc vous voyez bien, à ouvert, que ce sont de vrais clous, il n'y a pas de souci. C'est pas des clous en plastique. Donc, de taille, plutôt petit et des moyens avec des têtes plutôt bien rondes et puis bien marquées. Bref, avec des pointes aussi, donc bien marquées, il n'y a pas de problème. Pour un chat, petit rappel sur le K6000. Donc, le K6000, si vous voyez bien, difficile parce qu'on a bien zoomé pour filmer notre plantage de clous. Donc petit rappel, c'est un 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant. Il est équipé d'un 6735, de 2 Go de RAM et de 16 Go de ROM. Il est en 5,5 pouces. Et donc on va prendre déjà notre chiffonnette pour montrer que l'écran, bah écoutez, a priori, voilà, il a pas grand chose, hein. Bon, bah écoutez, hein, on n'aime pas jouer à ce jeu-là, mais eh bien, on va commencer quand même. Hein. Allez, on y va. À tout de suite. Et regardez bien, le clou se planter. Enfin, en tout cas, je l'espère. Alors, il faut vraiment taper fort pour qu'il se plante. Bon, alors le film, il est explosé déjà. Là, il y a un film, vous le voyez. Voilà, il est explosé. Alors, on va peut-être retirer le film. Alors, j'espère juste quand même que je bousille pas trop. Eh ben, écoutez, le film, il résiste pas. Mais en dessous, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous le voyez, on va aller avec le reflet. Il n'y a aucune trace d'impact. Bon. Eh bien, écoutez, aucune trace d'impact grâce au film. On va continuer sans le film. J'espère que vous nous voyez bien. Je vais peut-être relever la caméra un peu.
l'écran, on le montre, il n'y a toujours rien. Et bien écoutez, en plus, non, il n'est pas assez planté. Il n'est pas assez planté, je vais remonter un peu la caméra tout de même. Voilà, on a remonté un petit peu la caméra. Je pense que vous voyez mieux. Eh bien écoutez, sans trucage, rien du tout, pas d'écran vert, on y va, on tient bien le smartphone et on plante. Allez, il tient, hein, donc le clou bouge pas, on y va, on plante. Ah, si je plante de travers, ça va pas le faire. Alors, pour information, ce n'est que du sapin, hein, c'est pas du chêne, donc sur du chêne, ça n'aurait jamais résisté, je pense. On n'aurait jamais plus pu planter le clou. Alors, voilà un écran brisé. Il n'a pas résisté au plantage de clou. Bon, eh bien écoutez, premier essai K6000. Alors on va quand même regarder s'il fonctionne. Hein. Il ne marche plus. Hein. Alors on va le redémarrer. Ça y est, non, ça y est pas. On l'éteint. Est-ce qu'il s'éteint? Est-ce qu'on peut l'éteindre? Est-ce que le tactile fonctionne encore? Je ne crois pas. Non, je crois qu'il n'a pas résisté. Hein. Je suis désolé. Je contacterai la petite dame d'Oukitel. Mais effectivement... Bon, alors le clou est planté. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Mais l'écran, vous le voyez, n'a pas résisté. Donc ça, c'est le K6000. Et le K6000 avec un tactile qui ne fonctionne plus du tout. Alors, je voulais les aider à faire la promotion de la marque ici en France, moi personnellement, le testeur. Eh bien, bah pour le coup, sur le K6000, c'est un peu raté. C'est dommage parce qu'il me plaît ce smartphone. Donc, le plantage de clous, le smartphone marteau, bah, n'a pas résisté. Hein. Bon, bien écoutez, on va passer au suivant. Allez hop, adieu.